Bien, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Small Land Survive the Wild. Alors, j'ai hésité à acheter ce jeu parce qu'en fait, j'avais déjà Grounded, The Grounded, donc si je pense que vous déjà vous connaissez ce jeu-là ou quoi, c'est là aussi, vous êtes un petit garçon qui est réduit à la taille de tout petit. Pour vous donner une idée, une coccinelle, c'est un monstre quoi pour vous. Et d'ailleurs, dans Grounded, la coccinelle, elle vous met dans votre gueule. Hein, voilà, si faut pas s'y frotter. Je l'ai jamais cherché, voilà, mais elle est imposante. Voilà. Et par contre, donc ce jeu-là, Small Land Survive, vous voyez la coccinelle déjà est beaucoup plus petite. Elle est de la taille d'un peut-être d'un lion, voilà, d'un lion, ouais, voilà, c'est plus petit. Et vous, en fait, on n'est pas quelqu'un qui a été réduit, on est des petits êtres de la forêt, un truc comme ça. Voilà, j'ai pas trop regardé non plus le background du jeu. En revanche, j'ai regardé des vidéos du jeu et comparé à Grounded, je dirais que Small Land fait un petit peu plus FPS, jeu d'action. Et son interface est plus proche de ce que l'on peut connaître dans les jeux de survie actuels. Voilà, ce qui n'est pas le cas de Grounded. Il est bien Grounded, mais il a failli être pas bon aussi. Hein. Voilà, mais Grounded est pas mal. Il s'est amélioré avec le temps. Mais il est trop ancré dans... comment dire, on respire pas dans Grounded. Dans Grounded, c'est étouffant même. Voilà, on est petit. Alors peut-être ils ont réussi leur jeu dans ce sens-là, mais Grounded, je trouve étouffant. Voilà, on est, il n'y a pas un endroit qui soit pas occupé par quelque chose ou quoi. Donc bon, voilà, j'ai déjà joué, mais je ne suis pas non plus un fan inconditionnel. En revanche, Small Land, pourquoi pas. Donc, j'ai vu le décor et ça m'a plu. Alors, dans Small Land, le personnage, pour parler de ce jeu-là, on ne sait pas nager dans ce jeu-là. Donc, c'est intéressant par rapport au déplacement. On va regarder tout de suite les préférences. Donc, déjà, dans la musique de base du jeu... Là, moi, elle est insupportable. Voilà, je l'ai déjà coupée parce que pour pas avoir de problème avec YouTube. Mais la musique, là, non. Merci, non. Voilà, autre chose, oui, mais pas ce genre de truc qui se répète. C'est un truc en boucle qui se répète. C'est juste pas beau, quoi. Voilà, le volume principal, je vais baisser tout ça. On va aller dans les graphismes V5. Alors, DLSS. Alors, ça, c'est super hein, parce que ça veut dire... auto ou activé, non activé. Qualité, on peut jouer en mode équilibré, c'est bien. Limite d'image, alors on va aller à 120, on va pas aller plus. Ça a l'air d'être un jeu gourmand quand même. Hein. Alors, il y a pour ceux qui n'aiment pas les araignées, vous pouvez aussi. Ça, c'est après. Je pensais que c'était dans l'arachnophobie. L'échelle des résolutions, on va laisser comme ça. On est en 1920x1080. Les textures, alors en ultra, je suis pas sûr de ça. Déjà, l'ordi tourne déjà beaucoup. Alors, on va descendre un peu. Ouais, on va calmer un peu les envies. Voilà. Descendre en élevé, c'est très bien. Anti-crénelage, non, on va faire élevé. Voilà, c'est très bien. D'ailleurs, on peut mettre en élevé et tout. Voilà, ça sera très bien. Et ça descend la bordure du coup ici. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, les entrées, ben ça c'est tout ce qui peut se jouer. Alors on voit bien qu'il y a la manette, hein, même la manette un peu Xbox qui est dessinée. Donc ce jeu peut-être atterrira sur une console. Il aurait toute sa place. Hein. Alors ici il y a préférence. Alors il est marqué afficher le feu follet. Bon. Je crois que c'est les trucs dans les airs là qui volent et tout. Bon, après voilà, vous pouvez limiter votre peur des araignées, ce genre de truc. Et on va faire, on va revenir à normal, au retour. Et voilà, normalement. Alors, est-ce qu'il a gardé les paramètres? Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est bien. Ok. Et on va faire jouer. On va créer un nom. On va l'appeler. Wookie, voilà.
Pourquoi pas. Type de corps. Alors, qu'est-ce qu'il y a, homme ou femme? Alors, bon, bah oui, bah en fait, ça change pas grand-chose, hein. Ok, pourquoi pas. Alors, tête normale. Normale. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut. Voilà, un petit peu plus. Ouais, enfin, c'est femme, ça. Ah, d'accord. Horrible. Ok, allez, hop. Oreille. Alors là, non, 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 non plus. Ouais, bof. On va mettre comme ça. Sourcils, c'est mieux. Barbe, oh putain, là aussi. Je sais pas, là, franchement, une barbe avec. Je sais pas trop. Les pattes. Non. Les barbes là-dessus, je crois que c'est pas terrible. Hein. Un bouc, non. J'ai jamais vu. Et pourtant, dans les jeux, j'aime bien avoir la barbe et tout, mais là, non. Là, non. Couleur, c'est quoi? Le couleur de la barbe. D'accord, ok. On va faire. Attends, on va regarder pour voir ce que ça fait. Argenté, noisette, blanc. Vas-y un peu. Et si je fais barbe là? Oh, misère. C'est pas que c'est pas bien fait, c'est que ça va pas, quoi. C'est que ça va pas. Antenne. Ok. On va pas. J'ai pas envie d'avoir des gros trucs. Oh là là, misère. On va prendre ça. Couleur des antennes. Super. Ok. Voilà, vert, c'est très bien. Cheveux. Ça m'a l'air d'être fluide, c'est bien. Cheveux longs, cheveux très longs. Ça, c'est bien. Voilà. Couleur de cheveux. Alors là, par contre, on va mettre blanc. Voilà. Très, très bien. Yeux communs. Triangle. Oh, ouais, c'est sympa ça. Étiré. Sympathique. On va regarder ça. Couleur des pupilles. Saphir. Bleu, ouais, c'est beau. Couleur de peau. Un elfe noir. Oh, c'est bien ça. Ça me plaît. On va garder ça. Masque, marque, ah, marque sur le visage. Ok. Ok. Ouais, jamais c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a pas. On peut pas avoir de couleur de marque. D'accord. Bon, bah écoute, moi ça me va. Hein. Confirmé. Alors, d'autres en ligne, non, on va pas. Créatures, ah, mode pacifique. Les créatures ne vous attaqueront pas, mais riposteront si vous vous en prenez à elles. Non, non, je laisse comme ça. Ok, monde, ben on n'en sait rien. Commencer, nouveau monde, supprimer monde. Créer donc. Attends, nouveau monde. Créer un monde. Alors, nom du monde. Je sais pas, on va mettre Avatar, hein. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, commencer. Donc là, j'ai, donc là, c'est en ligne, qui okay, tata, ok, commencer. Voilà, j'espère que j'ai pas trop mis de temps. Alors, mon ordi tourne quand même un peu, je trouve. J'espère que ah, il se calme un peu là. Ça va, se calme un peu. Bon, on va passer tout ça. Moi, voilà, c'est bon. Alors, je me mets un peu de son pour moi. Est-ce qu'il faut se mettre en. Oula, ok. D'accord, ça c'est, j'ai compris. Donc, c'est W pour se mettre en mode comme ça. Et si on fait avec la souris, on n'est pas vraiment en mode comme ça, on est proche. D'accord, ok. Donc là, voilà, c'est pas comme Scum, hein, voilà. Donc là, on se met bien, voilà, là, on se met bien comme ça, mettons, si on veut rester comme ça, si ça nous plaît. Et si on veut passer en mode, donc vous passez en QWERTY, hein, c'est, si vous êtes en AZERTY, ben, c'est Z. Si vous êtes en QWERTY, ben, c'est W. Voilà, W, ça fait ça. Alors, il n'y a pas de son, ou c'est moi? Attends. Ah, ça va.
Donc, on va rester comme ça pour l'instant. On va regarder s'il y a des trucs à prendre. Tiens, par contre, je pensais que c'était assez lent. Eh ben, pas du tout, hein. Alors, c'est très joli. Alors, moi, j'ai une RTX 2060 12 Go. Non, on va pas lui parler, merci. Voilà, on s'en fout. Oui, non, mais enfin, bon, voilà, cher F. Ok, ça je sais qu'on doit prendre des trucs comme ça. Ils vont nous dire bonjour, bienvenue, qui es-tu? Ce genre de trucs. Voilà. Ou comment marcher. Ou il faut qu'on récupère de la résine. Donc j'ai vu les vidéos, donc bon, voilà. Et si vous n'avez pas vu, ben moi après je suis pas pour trop l'histoire en fait. J'aime bien avoir un open world, je fais mon truc et puis. Je suis pas chasseur de succès, donc déjà. Moi, je veux juste jouer, sortir de là, être libre, voir un peu de quoi il en est. J'aime, par contre, je vais apprécier faire des maisons. Alors, il n'y a pas des maisons du style feuilles, bois, pierre. Il n'y a pas ce genre de truc. C'est tant la même, je pense. Oh, c'est beau ça. C'est vachement beau. Donc, du coup, on n'est pas dans Ark, tu vois. Dans Grounded aussi, ce que je reprochais, c'est que les plateformes, hein, pour faire le toit ou quoi dans Grounded, j'y suis jamais trop arrivé, quoi, pour avoir ça. Alors, il fallait couper des arbres spécifiques, mais franchement, on peut voir. Bon, okay. Et c'était pas terrible. Là, ça a l'air un peu plus sympa. Oh, rassurez-vous, ils nous donnent rien, les gars, là, hein, rien du tout. Hein. C'est pour ça que je m'arrête pas chez eux. Ils nous donnent rien du tout. Ils nous saluent, c'est bien, c'est super. Alors là, on est peut-être dans un arbre, je ne sais pas. Je les ignore totalement en fait. Non, mais je pourrais revenir si vraiment j'ai besoin d'informations. Très cool. Et est-ce que ça se prend ça? Non. Je peux aller là? Ouais. Ça, c'est bien. Tu vois, c'est pas un couloir. J'avais peur de ça en fait. Génial. Alors je vais me mettre pour ceux qui préfèrent, je vais passer en mode troisième personne, il n'y a pas de problème. On peut sauter, ouais. Alors vous pouvez, dans ce jeu, vous pouvez mourir noyé, et si vous tombez de là, je saute ici, là je pourrais me faire très mal, voire mourir. Voilà, je veux juste voir si c'est possible de faire un truc comme ça et de pas arriver comme tout le monde. C'est possible. D'accord. Je peux pas faire un truc conventionnel parce que des vidéos, vous allez en trouver la même tout le temps. Voilà. Tout le temps, j'en ai vu plusieurs rapidement. C'est tout le temps les mêmes choses. Donc, j'avais envie de faire un peu autre chose. Alors, on va regarder la carte. Ok, alors la carte va s'agrandir. Bon, allez, elle va pas s'agrandir de folie, mais elle est quand même grande. On est ici. Il va y avoir des trucs qui vont se marquer. Je crois que les hiboux servent à marquer. Donc, peut-être que je retournerai voir ça. Ils servent à marquer les emplacements. Ou à faire une sorte de découverte, ou je sais pas quoi. Or, c'est super fluide, je m'attendais vraiment à quelque chose de moins fluide. Et c'est vraiment super fluide. Pourtant, bon, enfin, après, c'est la carte aussi. Hein. En DLSS, ça marche bien mieux que sans DLSS en fait. Bon, en fait, vous avez les mecs qui sont en bas. Donc là, on peut monter ici, voir ce qu'il y a. On peut descendre, on va descendre, on va faire quand même juste voir s'il n'y a pas qu'il y a de la résine à prendre. Donc on va descendre. Si je veux pas me tuer non plus.
C'est possible. Non, là, je me tue. Ok, il faut que je repasse par là-bas. On peut courir avec Shift. Donc ça, c'est bien qu'on puisse monter comme ça. On a l'air assez léger et agile. C'est tant mieux. Ah, en fait, oui, ce que j'avais entendu, c'était... Oh, yes. Alors, vous pouvez Shift pour accélérer. Vous n'êtes pas obligé de laisser appuyer. Vous appuyez une fois et il accélère. Et les roulades, je ne sais pas comment il a fait ça. Ah ben, vous appuyez une fois sur Shift, roulade. Vous laissez appuyer. Après, alors c'est contrôle les roulades. Et après, c'est Shift pour qui accélère. Donc ça, c'est bon. Donc là, on était ici. Voilà, on va pas rater quand même la belle vue. Tout le monde nous dit bonjour, c'est parfait. Hop. On va faire le hibou là parce que ici, c'est peut-être celui-là qui est important. Vous pouvez perdre les PV de bien des façons. D'accord. En fait, c'est pas des, c'est juste des conseils. Ok, merci. On va récupérer ça. Alors, je pense que à la manette, ça doit se jouer. J'ai pas encore fait là, mais je pense qu'à la manette, oui. Alors, vous pouvez planer aussi. J'ai vu façon Zelda. Je l'ai déjà vu. Je sais pas comment, mais je l'ai déjà vu. Vous pouvez apprivoiser des créatures et monter sur des criquets et monter sur des insectes volants aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. On va se mettre en comme ça. Alors, toi, on va parler avec toi. Qu'est-ce que tu nous dis? Salutations, gna 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 gna. Que puis-je faire pour vous? Posez quelques questions. Merci, capitaine. C'est bon. On s'en fout de l'affectation. Examiner. Ok. Ah, c'est bien, c'est des murs. Alors, le gros truc de ce jeu par rapport à Grounded, c'est que je pense vraiment qu'il est un petit peu plus orienté. On a l'impression, bon, ok, on est petit, mais on n'a pas l'impression d'être vraiment trop petit. Parce que Grounded, c'est vraiment trop petit. C'est trop. Voilà. Un peu trop. Et là, c'est espacé, vous voyez, c'est dense. On peut voir du décor. Alors que Grounded, je trouve qu'il est ramassé sur lui-même, quoi, le jeu. Là, je prends, je me pose pas de questions. Si je peux prendre des ressources, je prends. Là, il faut pas y aller, hein, voilà, il y en a qui ont été et ils sont morts. Si j'avais pas regardé les vidéos, je l'aurais peut-être fait. Hein. Voir si est-ce qu'on peut nager ou pas. On va prendre tout ça. Là, je pense que ça doit me servir pour la construction, pour bien des choses. Je vais essayer de passer à la manette pour voir si éventuellement c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est même très cool. Alors, on verra, peut-être que je ferai qu'à la manette ou quoi, mais en tout cas, ouais, c'est cool. Alors, c'est Y, hein, d'accord. Ah ben c'est comme Ark en fait, hein. Le Y, ouais, c'est le Y de Ark. C'est bien, on n'est pas obligé de regarder la ressource pour la comment dire, la looter, puis après pour la prendre, par contre, là oui, il faut regarder la ressource. Juste pour, tu vois, là on est droit, on fait ça, c'est bien, mais si je rappuie, ça marche pas. Il faut se baisser et pour la récupérer, c'est ça. On peut sauter comme ça avec le A, c'est normal. Alors je sais pas l'inventaire, on va essayer d'appuyer sur ça, peut-être non, ça c'est pas l'inventaire. B, B, on se met comme ça, A, on saute. La croix, ben je sais pas. La gâchette gauche, il n'y a fait rien, gâchette droite, il n'y a rien. Oh, alors ça c'est le scan, c'est la touche LB, celle du haut, et LB à droite, il n'y a rien. La croix directionnelle vers le haut, il n'y a rien. Bas, c'est la map. Gauche, il n'y a rien. Droite, il n'y a rien. Donc là, ah, et c'est là qu'on fait l'inventaire. En allant sur le bas, on fait l'inventaire. Franchement, l'inventaire, il est bien mieux et largement mieux que The Grounded.
Enfin, il n'y a pas photo, hein. Voilà, et donc je peux déjà peut-être faire un truc comme ça, je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Voilà, j'ai fait une hache et un gourdin primitif, un marteau constructeur, une torche et une torche. Voilà, c'est bien. Alors là, on va mettre le gourdin, on va le mettre en 1. Tu vois, c'est instinctif. Va faire ça dans Grounded. Je te promets que c'est pas la même chose. Hein. C'est sûr. Attends, ça on va le mettre plutôt là, 8, et ça on va le mettre ici. Et ça on va le mettre là. Voilà, là on est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, tac, tac. Ça c'est quoi ça? Une torche. On va mettre en 3. Voilà. Ok. Toc, c'est bon. Donc j'imagine. Ah, déverrouiller. Ah, j'ai déverrouillé le feu de camp, l'établi, le lit. Ben, c'est super. Ah, c'est super, c'est bien, c'est bien, bien, j'aime bien. Le jeu a l'air soigné. L'interface est soignée déjà. Et le jeu a l'air aussi soigné, donc ça c'est cool. Or, je pense pas que ça soit un monde généré. Voilà, je pense pas. Maintenant, je peux pas le jurer, hein, j'ai pas le truc. Maintenant, il nous a demandé un nom de monde. Je pense que c'est plus par rapport au multijoueur, si on veut que ce soit en mode tranquille ou en mode difficile, c'est plus pour ça. Va falloir que je prenne, voir comment on fait sur le 1 ou quoi, comment on arme les trucs. Non, non plus. Non. B, peut-être. Non. Gâchette gauche, gâchette droite. Le haut, ah c'est le haut, d'accord. C'est quoi ce jeu de... D'accord. Ah ça a fait des stries. Vas-y un peu, tape. Parfait. Et là? D'accord, on a un coup rapide. Alors c'est l'inverse, c'est le coup rapide, c'est la gâchette. Et le coup fort, c'est... Je pense que c'est... Je pense, hein, attends. Ouais, c'est ça. C'est inversé. J'aurais mis le coup fort dans la gâchette et inversement, quoi. Mais c'est pas ça. Ils n'ont pas fait ça. Ok. Alors, dans l'inventaire, on a combien de poids à respecter? Y a pas vraiment. Si, oh là, par contre, on a faim, tout ça. PV, endurance, faim, température. Cool. Oh, il se peut que je repasse à la souris pour construire. Hein. Moi, après, je sais pas trop. Ah, bah, de toute façon, là, on a un chemin imposé. On va pas trop avoir le choix. Ah, si. On peut par là aussi. Alors, on peut soit monter. Monter là, là. Et voir un peu. Alors, après, vous pouvez vous faire des maisons dans les arbres aussi. Hein. Voilà, hein. C'est pas obligatoire d'être au sol, etc. J'aimerais bien aller voir un peu en hauteur, vu qu'on est à côté là. Ah là, pour courir, c'est plus cool. On appuie directement sur le stick gauche. Plus sympa qu'avec le clavier. Alors, il est aussi agréable au clavier, enfin au clavier, voilà, qu'à la manette. Là, si vous voulez, à chaud comme ça, là, je dirais que je préférerais peut-être... Attends, c'est là qu'on vient? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je préférerais peut-être la manette. Ouais, à chaud. Ouais. Sais pas cet endroit, je connais pas. Viens un peu. Est-ce qu'on peut casser ça? Oula, oula. Putain, j'aime pas ça. On va prendre deux et on va faire. C'est quoi déjà pour le prendre? Non. Ah, on peut se protéger. Tiens, c'est marrant ça. Je veux juste prendre la hache là. Comment? Non, c'est pas ça. Non plus. Mince, je me rappelle pas. Comment j'ai fait? Ah, c'est le truc du haut. Ok, d'accord. Je voulais voir si. Alors là, on fait ça et on fait le haut. Ah, ben c'est comme.
C'est les mêmes trucs que Valheim. Voilà, à la manette. Ils ont repris les mêmes actions que Valheim. Wow. T'en as une tête, toi? D'accord. On peut boire ici ou pas? Non. Oh, c'est un établi et tout, ça. On peut pas utiliser. Qu'est-ce que tu me dis, sinon? Ah, j'ai un succès. Que faites-vous dans cette grotte mal entretenue? Wow, on s'en fout. Allez, hop, voilà. Alors, on va devoir entretenir le truc, c'est ça? Je sais pas après si on a des quêtes. Oui, on doit avoir des quêtes, je pense. Pour l'instant, je sais même pas dans le jeu qui sont nos ennemis, si on en a ou pas, j'en sais rien du tout. S'il faut simplement survivre ou aller chercher quelque chose, j'en sais rien du tout. Il semblerait que cette noix fasse office de coffre, d'accord? À l'arrière se trouvent les charnières. À l'avant, vous vous apercevez une étrange cavité en forme de trèfle. Examinez la cavité. Essayez de voir le. Non, examinez la cavité. Vous passez la main. Appuyez, ouais. Ah, d'accord. Bon, ok. Alors à l'arrière, il y a un truc, ils ont dit. Et on peut pas le casser, ce truc. Attends. Toc, toc. Vas-y. Et dis donc, c'est de la noix, ça, hein? Examiner. Oui. En vain. D'accord, non, ça marche pas. Donc là, ok, d'accord, là ça marche pas. Donc peut-être on reviendra plus tard. C'est rien, les chiens, ne vous inquiétez pas. Ils sont prévus dans la vidéo. Hop. On va prendre ça. C'est pas le but hein, de passer du temps là-dessus, mais bon, on reviendra ici éventuellement. Peut-être que l'autre, monsieur, là, il peut nous dire quelque chose là-dessus. On va voir. Peut-être qu'il nous donne une clé, à savoir. Oula, qu'y a-t-il dans le coffre, voilà. Élixir de vie. Ah, ça peut soigner n'importe qui. Oh non, le coffre est solidement renforcé et nous risquerions de détruire l'élixir qui se trouve à l'intérieur. Bon, bah alors, ok, on s'en fout. Voilà. Voilà, ça sert à rien. Bon, il y a une élixir de vie en tout cas là-dedans, c'est déjà bien, l'élixir de vie. Donc ça, je le trouvais vraiment par hasard là. Tu vois. Oh, je vais faire des trucs là. On va se mettre en mode comme ça, ouais, on sait jamais. Oh, il n'y a pas besoin, si vous avez vu, là, il n'y a pas besoin de taper avec le. Il n'y a pas besoin de taper dessus, en fait, comme dans Grounded, mettons, pour prendre la ressource. Vous voyez, voilà. On peut. Alors, pour prendre du bois, là, c'est autre chose, mais pour ramasser des ressources, comme ça, on peut le faire juste comme ça, en fait. On va revenir là-bas. Ouais, on va revenir là-bas. Pas mal le style de construction, c'est sympa, j'aime bien. Mais je me sens pas, même si le personnage est petit, je me sens pas petit, c'est ça le truc. Je préfère nettement ce jeu-là, en fait. Voilà, tu m'avais bluffé hein, là, aussi, hein, j'aimais bien, hein, voilà, mais voilà, on n'est pas enfermé dans un jardin là, tu vois, voilà, c'est ça le truc. Grounded, en fait, on est enfermé dans un jardin. Alors, il est petit. C'est pas très, la map est pas très grande, mais elle est vraiment dense à l'intérieur. Donc, du coup, c'est pas simple. Il fait nuit là. Ouais. Attends, passer par là. On y était tout à l'heure. La torche. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est beau, ça.
On va faire comme on avait fait tout à l'heure, là. Sauf que là, on va y aller pour de vrai. Ouais, c'est plus... L'accélération et l'arrêt de l'accélération, c'est plus jouable à la manette que... Attends, regarde comme c'est beau. Qu'au clavier, voilà. Et je dirais que la souris, quand on est à la souris, c'est trop... ça va trop vite, en fait. Droite, gauche, tout ça. Alors que là, y a, c'est juste ce qu'il faut, en fait. Youps, c'est juste. On peut monter ou pas? Non, mais on peut faire des trucs. Ouais, ok. Et de l'autre côté, on va voir. Ah oui, par là. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, parce que je risque de perdre mon loot ou la vie, ou je ne sais pas, mais bon. C'est peut-être pas la meilleure des idées que je suis en train de faire. Est-ce qu'on peut monter là ou est-ce que c'est délicat? Ah oui, très bien. Notez que on a la torche, mais on a aussi la masse aussi à côté. Donc ça, c'est pas mal. On n'est pas obligé de tenir, comme dans certains jeux, un à la fois. J'aurais préféré monter quand il fait jour, mais bon, c'est pas grave. Dans les jeux, généralement, je suis ou de nuit ou il pleut. Voilà. Alors là, il est peut-être temps de construire un truc. Ah non, c'est bon. Ça tient. Là, par contre, ça devient dangereux. Ouais. Parce que si je me rate, là, je vais tomber. C'est ça le problème. Oh putain. Je le sens pas ici. Non, je le sens pas trop, là. Et la construction, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors le marteau est là. On va voir. Ok, ouvrir avec RB. Qu'est-ce que c'est? Fermer le positionnement, on s'en fout. Ouvrir le positionnement. Ah oui, alors c'est quoi le B structure? Ah oui, cool. Fondation. Alors déjà, on peut avoir un lit. Non, pas. Coffre simple, lit simple. Ah, il me manque du... Non, c'est bon. Je peux faire le lit. Alors, je vais mettre... Ah, je peux pas le mettre là. Collision. Pivoter LB. Oh. D'accord, ok, on fait... D'accord. J'ai compris. Donc là... Ah, on peut... Bah, écoute, tu sais quoi? Je vais le faire là, le lit. Ouais, ouais, ouais. On peut. Oui, il y a une collision avec moi, mais c'est bon. Ça va le faire. Version... bah, voilà, non. Ah, version du lit. C'est-à-dire version... Bon, c'est bon. Je l'ai mis. On va simplement quitter ça. On va dormir. Activer la mode réapparition. Ok. Utiliser. Vous devez vous abriter pour dormir. Oh, purée de Brest. Ils peuvent pas le dire avant, non? Sans blague. Réparer, démonter. Bah, démonter, alors, ça sert à rien. Après, nous, il faut au moins nous prévenir quand tu fais un truc comme ça. Ça sert à rien de... Ça pour rien, bon. Donc du coup, il faut être abrité. Alors on va se mettre ici et on va se mettre à l'abri là-dessus. Alors, on va revenir là. Attends, par contre, j'aurais dû trouver plus petit pour faire un truc, hein, mais bon, bref. Toc. Ensuite, donc on fait ça, on fait B. Et là, on va choisir leur fondation. Ça. On va mettre ça comme ça. On va en mettre pas beaucoup, on va en mettre... Alors, donc c'est ça. On va en mettre une à côté. Et voilà, et on va faire vraiment un truc petit. Ensuite, on va refaire B... Bâtiment, c'est-à-dire bâtiment. Ah oui, d'accord. Ouais, ça c'est bien. Allez, on va mettre ça là. Non, 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 merci. On va mettre ça ici, là. On va faire ça. Il faut avoir un toit, en fait. Donc, si j'ai bien compris, pour faire ça, il faut faire ça. Après, on fait ça. Ok. Ah, notez qu'on peut le monter et le descendre aussi. Hein. Voilà. On va faire ça. Le lit. Qu'on va mettre ici. Il faut le tourner. Qui va faire jour le temps que je fasse ça, il va faire jour en fait.
Ça marche là, non? Ça marche pas? Je suis en train de crever là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je suis en train de crever. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Attends, on va faire inventaire. Et on s'en fout. Inventaire. Il faut qu'il mange quelque chose, le petit, c'est ça? Il y a un truc à manger là? Utiliser. Une substance extrêmement collante. Non, je m'en fous. Je veux les murs là. Vite. Ça. Ouais, c'est ça. On est en train de crever. Donc, œuf d'insectes. Ah, pour la dompter. On garde les insectes. Fibres. Ça se mange pas. C'est quoi, fibres? Non. C'est quoi ça? Bandage. On n'est pas blessé. Bon, vas-y, essaye. Apparemment, oui. Je sais pas pourquoi on est blessé, mais bon, on est blessé. S'il y a du bruit en fond, c'est parce que il y a des travaux, et voilà, quoi. C'est super. Le top du top, même. Voilà. Donc là, on est limite, hein, d'ailleurs. On est vraiment limite. Donc là, on va faire vite. On va faire ce que l'on peut. On va mettre ça. Puis je suis peut-être fatigué aussi. C'est peut-être ça le truc. Comment on met... Voilà. Toc. Je viens ici. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de truc. Ça, c'est bien. Hop. On va mettre ça. On va mettre ça ici. Allez, dépêche. Je fais un truc vite fait, hein. Voilà. C'est juste pour dormir, en fait. C'est bon? Voilà. Y a pas, on n'a pas besoin de porte. Il n'y a pas de porte, là. Une porte? C'est quoi, ça? Mur? Cloison? Angle? Non, c'est bon. Est-ce que je peux dormir un peu? Attends, déjà, je vais enlever ce genre de truc. Voilà. Vous ne pouvez pas dormir à 7 heures de la journée. Vous faites exprès ou quoi? Bon, ici, par contre, j'avais dit, oui, on va faire un... Attends, ici, on peut monter. Donc là, je réapparais ici, c'est au cas où... voilà. C'est là, ouais. J'ai pas confiance. Donc là, on va voir si je peux construire quelque chose ou pas. J'ai besoin d'eau, apparemment. Je vais crever là, je pense. Escalier, vas-y. On va voir si ça c'est possible. Donc on peut. Attends, comment on fait à monter le trou? Oulala, ça m'a l'air un peu. Il le fait pas tout seul. Attends, et si on fait coller là? Activer, désactiver. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Attends. Reviens un peu. Ça c'est chiant ça par contre. B. Non. Oh là là, misère. On peut pas faire un. Pourquoi ils ont pas fait un truc simple? X, A, X et B. Putain. Aucun appui sur cette structure. D'accord, ok. Bon, allez, quitte. On va... je sais même pas ce qu'on peut faire, en fait. Bon, on va pas monter, puisque ça va être la galère. Oh, ou alors si, allez, on monte. Je vais monter comme ça, on verra. Peut-être que je vais y arriver, peut-être pas, j'en sais rien. Oh putain, non, je vais pas y arriver. Non, je crois que c'est prévu pour pas y aller. Tu vois, on va refaire. Ouh là 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 là, je crois que là, si je fais ça... Bon, attends. Attends, on va faire un truc. Je vais peut-être faire un truc. Je vais peut-être pouvoir faire un truc comme ça, là. Enfin, un toit. Non, c'est pas un toit que je veux. Quoi qu'on peut essayer un toit. Est-ce que ça marche, le toit? Non, ça marche pas. Il faut une base. Fondation. Ouais. Voilà, comme ça, ça peut aller. Si je fais ça, alors attends, si je fais ça et X, ça fait quoi X? Oh misère. J'ai du mal à comprendre. Bon, allez, on met ça là. Je sais qu'on peut peut-être les monter, mais là, j'ai du mal. Ce qu'on va faire, on va faire... Ah, j'aurais pas dû. Ouais. Je pense que j'aurais pas dû faire un truc que j'aurais pas dû faire. Non, décoration, on s'en fout. Est-ce que ça tient là si je fais ça? Et ouais, du coup ça tient, mais j'ai mal fait les choses.
Vas-y. C'est pas grave. Je sais, j'aurais pu mieux faire, mais c'est pas grave. Il va crever, hein. Pourquoi il crève? Je n'ai pas compris. Oui, il a besoin d'eau, ouais, mais bon, moi j'ai pas de. Attends, on va monter. Je pensais pas qu'il crevait aussi vite. Enfin, et qu'il a eu besoin de manger autant ou de boire là. C'est un peu. C'est dommage parce qu'on va crever là alors qu'on peut monter et tout. Ah, ça monte, hein. Oh là là, c'est pénible ça. Putain, je te jure, c'est pénible. Inventaire. Y a rien. Ben mange ça alors. Ça c'est con. Peut-être donner. Mange. La faim, ouais, c'est ça. Utiliser. Endurance. Ah, c'est l'endurance. C'est pas du tout le. C'est quoi ça? Fibre. Non, il mange pas. C'est quoi ce truc? Ah. Pourquoi il a le. Pourquoi je suis blessé? Il y a un truc avec le soleil, peut-être la lumière ou je sais pas quoi. Je trouve ça bizarre. À mon avis, ou alors plus on monte et plus on a mal. Je sais pas du tout comment. Pas du tout comment ça fonctionne là. Là par contre, ouais, ça doit être possible. Ouais, c'est bon. Oh misère. Allez, vas-y. Grimpe pour reste. Surtout, on va arriver en haut, il n'y a rien à voir s'il faut. Moi, c'est ça qui m'a. Enfin, ça me plaît comme ça. Faire un truc comme ça me plaît. Après, j'ai le temps de descendre, d'aller voir un peu la map. Là, on va aller. Je voulais faire ça. J'ai vu l'arbre. En fait, je me suis pas trop spoilé. J'ai vu qu'on pouvait faire ça. Et du coup, ça m'a. J'ai trouvé ça super beau. Et qu'on puisse faire une maison comme ça, quoi. En multi, t'imagines? Je suis pas pour le multi dans ce jeu-là, mais le truc que tu peux planquer ta maison à un endroit et tout, c'est vachement bien. Oups. Ah, mais c'est qu'on va y arriver. Hein. Super. Oh, putain, ça monte encore. Oh là! Oh, il y a un dirigeable, je sais pas quoi là. Ouais, je crois que c'est pour. C'est ça, j'avais vu dans la vidéo. C'est un truc qui va nous faire descendre, ça. Je sais pas après dans quoi exactement, mais. Allez. C'est un mec qui nous. Il va nous faire. Alors, est-ce que ça descend vers un autre endroit? Je sais pas du tout. On verra. On va essayer. Si j'arrive à grimper là, déjà, ce serait pas mal. Ouais, c'est bon. C'est ici. Alors après, si je tombe, mettons, je ne sais pas si le loot, je le perds. Pour de vrai, pour de bon, ou est-ce que je peux aller rechercher mon loot à un endroit, je sais pas. Ah, il s'accroche en tout cas, ça c'est bien. J'en dirais. Non. C'est peut-être un peu haut là. Ah non, c'est bon. Putain, c'est chaud, hein. Je crois que ça mène à rien s'il faut. Ah si, ça. Oh putain. Misère. Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Avant de crever là. Ouf. Voilà, ben ça, alors lui, il doit m'aider à quelque chose. Et ici, il y a quoi en fait, compte? D'accord. C'est très joli. Très, très, très joli. Doit avoir une vue là-dessus, là. Oh la vache, ouais, quand on voit comment j'ai galéré pour monter. J'aurais dû faire la maison ici. Bon, on va descendre parce que je sais qu'il va avoir faim encore là. Donc, du coup. Ah, il a récupéré de là. Ah, il fallait peut-être être à la. Au soleil. À savoir. C'est bizarre, hein? Il me dit quoi, lui? L'esprit du grand arbre vous écoute. Que souhaitez-vous?
Je veux revendiquer cet arbre. Ah bon? Non, 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 je revendique pas, c'est bon, je m'en fous. Ouais, c'est-à-dire que tu peux construire ici après. Non, non, je m'en fous, partir. Et si je revendique, bah, mettons. Mettons que je revendique. Ah, j'ai revendiqué. Ah, c'est ça que j'avais entendu. On prend des secteurs. Ça doit être ça. Dans la map, voilà, dans la map, maintenant j'ai un arbre ici. Oh, peut-être pour les voyages rapides ou un truc comme ça, à savoir. Je sais même pas en fait. On peut zoomer? Ouais, voilà. Ah non, non, c'est pas là. Je sais pas. Bon, bref. Et on peut lui redemander autre chose à lui ou quoi? Je veux renoncer à cet arbre, partir. J'aimerais rendre mon camp dans l'arbre public. Oh, cool, c'est bien de poser la question après. D'accord, c'est cool parce qu'on peut revenir au multi donc. Ah, on peut faire un camp ici, super. Et toi, tu fais quoi, toi? Bonjour, membre de l'avant-garde, puis-je faire pour vous? Faites-moi descendre au niveau des racines. J'aimerais vous poser une question, on s'en fout. Je dois y aller. Faites-moi descendre au niveau des racines. Allez, vas-y. Oui, allons-y. Ah ben dis donc, quand je pense qu'on s'est embêté. Peut-être maintenant on peut remonter, il suffit de savoir où il est le gars. Et on peut l'appeler. Donc en fait, ouais, il faut venir ici. D'accord, j'ai compris. Ok. Là on va prendre ça. On va peut-être aussi prendre de quoi manger parce que je vais avoir des soucis là. On est où exactement là? On est ok, on est à droite ici, d'accord. On peut pas marquer un, ajouter un point, un marqueur. Ouais. Non, pas là ici, là où je suis. Ah, je peux pas. Voilà, on met ici, là, je veux l'enlever. Merci. Faut que je me trouve à manger là. Non, ça marche pas comme ça. Récolter. Besoin de la hachette en silex. D'accord. Ok. Oh putain! Avance, avance, mec! Oh putain, j'ai eu du cul. Attends, attends, attends. Mais oh putain, mais oh, mais casse-toi! C'est bon, laisse-moi 2 secondes là. C'est des fourmis guerrières. Ok, charpentière. Cours, mec. Cours, cours, je te dis, cours, cours, cours. Fais pas ta. Purée de Bresse. Donc, bah, on va savoir si j'ai perdu mon loot ou pas. Donc, si je fais ça, inventaire. Ouais, j'ai perdu mon loot. Il me laisse que le. Et qu'est-ce que. Ah oui, d'accord. J'ai réapparu là, bien sûr. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que je suis presque en état. On va descendre, on va aller récupérer notre. Est-ce que d'ailleurs il y a le loot ou pas? Oui, il y a la tombe. Donc oui, apparemment on peut récupérer. Mais on va pas pouvoir descendre, je pense, parce que. Ah si, il est là. Ah, il y a. Attends, j'ai pas compris là. Ah, il est. Ah, on pouvait aller en bas dire. Ah, je pouvais monter de là direct. D'accord. Tiens, elles sont là-bas les fourmis, on les voit. Sale bête. Elles m'ont vu, elles m'ont vu. Le problème, c'est que apparemment, elles attaquent en groupe. Déjà, je me fais la main dessus, là, puis je verrai après. Donc, j'ai pris leur truc, là. Est-ce qu'elle vient? Ah, elle m'attaque pas ici. Si. Si, si, non, oui. C'est bon, je l'ai tué. Ça se mange leur truc là? C'est quoi le.
de la lymphe éclair et épais, il permet de se rafraîchir lorsqu'il fait chaud. D'accord, en fait, ouais. Ok, donc du coup, si je fais inventaire, utiliser. D'accord, c'est un peu comme de l'eau en fait. Ça coule, ça roule. Donc on va aller. Je sais pas où est. Pourquoi il penche en biais le mec là? Faut aller un peu sur ma gauche. Pourquoi il se penche comme ça? C'est bizarre. Là. Oh, il y a. Ouais, mais c'est. En fait, les créatures, elles sortent d'ici. Ouais, c'est ça le truc. Il doit y avoir des grottes, à mon avis. Même presque sûr. Ouais, mon truc est là, donc je vais récupérer. On va voir si ça se met automatiquement dans mon inventaire ou pas. Oh putain. J'ai tout pris. Ah, ça va pas être facile là. Attends, je pourrais peut-être. Oh putain, elles vont encore me. Putain, sale bête. Hein. Dégage. Foutre le camp comme ça, j'ai pas le choix. Oh putain, c'est pas vrai ça. Vite, 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 vite. Je suis en train de me. Ma stamina, elle est en train de partir. Attends, on va dire au vieillard là, de m'emmener en haut là parce que ça me. Ah, on peut pas remonter? Ah si, là. Parce que si elle vient de m'attaquer ici. Alors attends, déjà, inventaire. Le truc pour soigner, c'est où? Il n'y a pas. Il faut que je crafte alors. Attends. Craft. Est-ce que je peux crafter un truc médicinal? Non. Un recueil. Super. J'ai crevé. Ouais. Encore. Ouais, tu sais quoi? On va monter. Attends. Ouais, monte, monte, allez. Oui, allons-y. C'est pour parler 20 ans, pour dire je veux monter, quoi. Une bonne gueule, j'aime bien. Il y en a qui ont fait les yeux rouges, j'ai vu. Je suis pas fan. Ça ira plus vite pour aller à ma maison. Parce que là il pleut, j'ai certainement être. Mais je vais crever certainement. Là, je constate que dans le jeu, la nourriture est importante. Dans Grounded aussi, remarquez. Hein. Mais moi dans Ark, mettons, beaucoup moins, quoi. Parce que. Par contre, la maison, je ne me rappelle plus où aller. Oh là là, attends, je suis allé comment? Je me rappelle plus. Attends, carte. Ouais, mais ça veut pas dire. Ouais. C'est quoi ça? Réapparition. Ah, bah alors c'est à droite. C'est ici, je suis par là. Je veux pas descendre et être. Et ne pas pouvoir. Parce que je sais pas où est mon camp là. Voilà. On va essayer comme ça. Oh putain, je me fais mal en plus. Je sais même pas si elle est là ma maison. Non, je pense pas. Oh purée. Ça va être la galère ça. Ouais, ça va être la galère. Parce que je sais pas où elle est. Mec, il cherche à crever le mec. Ouais, je vais crever, hein. Tu vois, ça va pas tarder. À jouer comme ça là. On va sauter là parce que. Ouais, j'ai pas le choix. Oups, putain. Non, non, non. Y a pas de nourriture en plus sur l'arbre. Il n'y a même pas de petits champignons ou des trucs comme ça. C'est un peu dommage.
Du coup, je sais pas où je suis, donc je dois être de ce côté, ça oui, je suis de ce côté, ça c'est sûr. Mais je sais pas du tout Et là, je pense qu'à mon avis, ouais, je vais arriver à un point de non-retour. Oui, c'est ça, c'est le cas. Donc là, il y a marqué, bah, soit tu crèves, ou soit tant pis pour toi. Alors, on va regarder si on peut réapparaître, se débloquer. Non. Ah, il y a prévu dans le jeu si on est bloqué, ok. Est-ce que sur la map, je peux réapparaître sur mon lieu de... Attends. Commencer, zoomer, ajouter, suivre. On peut ou pas? Non. J'ai marqué suivre, oui. Mais du coup, il me dit, ouais, c'est par là. Bon, écoute, on va essayer de suivre le truc. Mais c'est par, ouais, c'est par là-bas en fait. Ah, peut-être que. Faudrait que j'aille. Parce qu'en fait, le cœur là, c'est parce que j'ai pas dormi. C'est ça le truc. You. On n'est pas par là, on est par là, c'est même certain. Ah, mais là, j'aurais pas dû faire ma maison. Je ne sais pas où aller. Oh putain, puis en plus, c'est galère à descendre. Hein. C'est quoi ça? Non. Là, si je fais ça, ouais, je vais crever. Il y a de fortes probabilités, on va dire. On va voir de ce côté-là. Mais c'est bien, hein, ça me plaît, hein. Donc du coup, la map, elle est, c'est un peu chaud à se déplacer, mais j'avais vu ça. Hein. Je m'en étais aperçu. Donc, là, ici, il y a quoi là? Ah, c'est ça. Ouais, mais là, on revient en arrière, non? Il me semble. Oh putain. Ça m'étonnerait qu'on puisse. Ah si. Là je joue sur les chapeaux de roue là. Parce que franchement. Ah putain, j'y arrive pas. Non. Là j'y arrive pas par contre. Ouf. Ah! Bah putain. Chance. Vas-y, et là il va me dire c'est pas le moment. Ah si, c'est bon, heureusement. Sinon j'allais pas dormir. Et du coup, ouais, voilà, tout remonte. Enfin, une bonne partie. Ah ouais, c'est bon, c'est nickel. Ouais, c'était le rouge là. Mais attends, il fait moche, on peut redormir. À 7 h de la journée, c'est-à-dire c'est le matin alors. C'est cool hein, comme jeu. Ah, l'orage, ça. Alors, je suppose qu'on va avoir froid. Donc on va se faire un. On va se faire un feu de camp, mais je pense que j'ai pas assez de trucs pour le faire. On va voir. Déjà, je peux démonter. Est-ce que je vais le faire? Ouais. Voilà. Ensuite, on va se faire une fondation. Tu peux la ramasser quoi? Qu'est-ce que je ramasse? J'ai pas compris. Ah oui, d'accord. On peut ramasser pendant que. D'accord. Est-ce que je peux tourner? J'ai pas compris la flèche bleue là. Voilà, ça j'ai pas vraiment saisi. Est-ce que je peux aimanter, activer, désactiver? Normalement, je suis activé. Non, ça aurait dû aimanter là. C'est-à-dire qu'on met sur la. C'est dommage. Je vais essayer de passer en mode. Ouais, non, mais là. Ah, c'est chiant. Voilà, en mode FPS. Donc, c'est le stick droit en mode FPS. Pivoter. LB, pivoter. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ok. Et on va en faire un. Bah, je sais pas, j'ai pas trop le. On peut pas là. Hein. Non, on peut pas. On va faire
RB. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, ça. C'est pas moche, mais c'est pas ce que je préfère. Peut-être à la souris, c'est peut-être mieux, je sais pas. En tout cas, les ressources, ça va. Ils m'ont pas embêté avec ça. Ça, c'est cool déjà. Décoration. Ah, on peut, oui. Ça, c'est quoi? Une table de pré... Ah, table de préparation. Ça, après, je sais pas trop. Brindis, oui. Ça, on va mettre. Ah, j'aurais pas aimé que... Attends, démonter. Ouais. J'aimerais que ça soit tant qu'à faire là où je suis. Voilà, merci. Non, 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 putain, j'en ai mis deux. Quel con. Ramasser. Ramasser. Ah bah alors, j'enlève celle-là, alors. Attends. C'est chaud les ballons, le truc, là. Mais ok, d'accord, ça marche. Donc voilà, là, on ramasse ça. Oh, c'est bien joli, hein, la texture. Alors ça, c'est dû au DLSS. Hein. Peux dormir encore? Non. Ça, j'ai compris. Alors, on va voir si on peut faire le lit. Alors, toc, toc. Le lit, pas le lit, le... Interactif, voilà. Le feu de camp. Ouais. Alors, j'hésite à le faire dehors. Attends. Attends, on va voir. Allez, je vais faire un truc. Interactif, on s'en fout. Fondation. Je vais voir si je peux en faire une fondation dehors. Non, je peux pas. Quel dommage. Je peux faire une fondation là, mais. Non, attends, on va voir si je peux faire un toit. C'est quoi ça? Toit en feuille. On va voir si je peux le mettre là en fait, pour me mettre le feu directement à... On va faire ça, faire comme ça. C'était pas prévu que je fasse la maison là parce que c'est vraiment pas l'endroit rêvé. Ça va être comme ça peut-être. Notez qu'on n'a pas besoin de mettre en dessous une... Tu vois, ça c'est cool. C'est plutôt cool, on va dire. Ça marche ou pas? Allez, vas-y. Vas-y, petit gars, tu vas pouvoir le faire. Ok, c'est bon, je l'ai fait. Maintenant, hop, on vient ici, on fait interaction, on fait le feu... Ah, le feu de camp. On peut pas... Bah, tant pis, on va le mettre là, alors, parce qu'on peut pas faire autrement. Feu de camp est là. Du coup... On va enlever ça. Attends. Ouais, ça comme ça là. On va enlever, démonter là. Ah, je vais encore crever, putain, c'est pas possible. Coffre simple. Oh, on peut faire un coffre. Cool. On va le tourner. On va le mettre plutôt là. C'est bon, ça tient ou... Ouais. Non, ou alors mieux, on va faire comme ça plutôt. Voilà, c'est bon. Voilà, au moins, je vais pouvoir mettre des trucs dedans. Oh, c'est cool, ça va vite. C'est juste parfait. On va le faire par contre à la souris là, parce que... Voilà. Je vais reprendre à la souris, tiens, pour voir un peu. Ah, on peut pas faire des... Attends, pourtant c'est la même chose. 8, 30, 30, 30. Ah oui, d'accord. La tempête fait rage, restez à l'abri. Ah, parce qu'il y a des tempêtes aussi. D'accord. Bon, là, on va mettre ça là comme ça pour l'instant. Il y aura plus tard.
Je vais certainement crever donc. Bon, j'ai bien fait de rester là, mais je vais crever. Ok, qu'est-ce que F utiliser? Donc là, on peut faire de la pâte de ah, pâte de sauterelle et du steak de champignons, mais j'ai rien du tout, donc j'ai rien de cela. Par contre, là, on va se remettre en comme ça. Ça a l'air d'être assez imposant l'orage. Hein. Rester à l'abri, ouais. Je savais pas que c'était à ce point-là. J'ai eu la bonne idée de mettre la fenêtre ici, là, c'est con. C'est vachement beau. On voit les textures et tout. C'est. Grounded a pas le DLSS. Donc ce jeu-là, oui, il gère le ray tracing en fait. Et Grounded, non. Et en plus, il est plus fluide que. Largement plus fluide que Grounded. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, c'est une petite maison, voilà, comme ça. On va essayer de construire autre chose, 8, si je peux. Alors là, pour construire avec le truc, c'était. On s'en fout, structure. C'est avec la souris comme ça, d'accord. Donc là, ça, je peux pas le faire. Parce qu'il me manque certainement bah, de tout. Ah oui, j'ai mis dans le. Ouais, bien sûr. Ok. Donc ce que je vais faire là, je vais aller. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je vais descendre, aller me restaurer, prendre plein de trucs à manger et tout. Et en fait, après, revenir là et on pourra refaire une deuxième vidéo. Parce que là, je vais certainement, un peu comme dans Ark au début, on crève pas mal. Après, un peu moins. Et puis, on ira explorer un peu la map. Mais en faisant attention, parce que visiblement, on n'est pas tout seul. Voilà. Je vais vous dire à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y en aura une deuxième qui va arriver dans certainement quelques heures. Allez, salut, ciao, ciao.